Bonjour, monsieur le médecin général. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la mission et le rôle de l'Hospitalité Notre-Dame des Armées ? Alors, l'Hospitalité Notre-Dame des Armées a une mission double. Une première mission permanente, tout au long de l'année, qui est une mission pastorale, qui consiste en l'accompagnement des malades et des blessés à un triple point de vue. Un point de vue social, un point de vue psychologique et bien sûr un point de vue spirituel. Ceci est mené par un ensemble d'équipes qui maillent le territoire national à partir des hôpitaux des armées et des grandes bases de défense pour demain. Et existe une petite structure de direction parisienne qui essaie de coordonner l'ensemble. Et il existe une mission ponctuelle qui est, j'ose dire, le point d'orgue de l'action de l'Hospitalité Notre-Dame des Armées, qui est l'accompagnement d'un certain nombre de malades, 60 cette année, de la famille militaire, des blessés en opération extérieure, des blessés en service, des malades, des familles de malades, au pèlerinage militaire international de Lourdes. Cet accompagnement se fait à partir de tous les points de France, grâce au concours des moyens des armées, notamment un avion qui nous permet d'emmener les malades lourds depuis Ville-la-Coublay, et d'autres qui regagnent Lourdes par leurs moyens à partir des différentes garnisons de France. Le pèlerinage militaire international est une grande manifestation qui réunit dans une atmosphère de fraternité 45 pays, je crois, qui se réunissent pour cette manifestation spirituelle de haut niveau qui, je dois dire, est le plus grand rendez-vous interarmé du monde. Il faut le savoir, ce n'est pas connu, et dont l'origine est basée sous le sigle ou sous le mot-clé « réconciliation ». Réconciliation de l'Allemagne et de la France à la suite du dernier conflit mondial. Très bien. Et vous, mon général, que venez-vous rechercher ici à Lourdes au sein de ce pèlerinage militaire international ? Pour moi, qui ai une longue carrière médicale, ceci va dans le droit fil à la fois de mon engagement professionnel auprès des malades et des blessés de la famille militaire, de la communauté militaire, et à la fois mon engagement spirituel. Donc je fais à la fois une prolongation de ma vie professionnelle et une prolongation de mon chemin intérieur, si je peux m'exprimer ainsi. Je vous remercie, mon général.